Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer une échelle en bois. Elle vous permettra de monter sur toutes vos installations en bois, comme votre tente surélevée. Attention, cette réalisation nécessite des gants de protection, des chaussures fermées, du temps et d'être plusieurs. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une tarière, d'une hachette, d'une scie à bûche, d'une massette ou d'un marteau, et d'un mètre. Vous aurez aussi besoin de deux perches de 2 mètres de long et de 6 perches de 70 cm de long. Fabriquer une échelle nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, les mortaises. Posez votre première perche de 2 mètres au sol. Marquez sur la perche une trace tous les 40 cm avec la scie. Veillez bien à ce que les marques soient alignées. Avec votre tarière, faites une mortaise sur chaque marque. Pensez à adapter votre tarière au diamètre de la perche. Et référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». Répétez l'action sur la deuxième perche. Étape 2, la fabrication des tenons. Faites un tenon aux deux extrémités des 6 perches de 70 cm. Ces perches seront les barreaux de votre échelle. Pour savoir comment faire un tenon, référez-vous à notre vidéo « Faire un tenon ». Une fois que tous les tenons sont faits, vous êtes prêt à assembler pour fabriquer l'échelle. Étape 3, l'assemblage. Positionnez une des perches au sol avec les trous de mortaise tournés vers le haut. À l'aide de la massette, enfoncez dans chaque mortaise un tenon. Une fois que tous les tenons ont été fixés sur la première perche, positionnez la seconde perche sur les tenons libres en vous faisant aider d'une autre personne pour tenir la perche. Frappez doucement sur le long de la perche en mettant les tenons dans les mortaises. Une fois que tous les tenons sont rentrés dans les mortaises, frappez plus fort le long de la perche pour bien faire rentrer les tenons et coincer les barreaux. Sciez les tenons qui dépassent. Vous savez maintenant comment fabriquer une échelle.